Bah, il y a une grande part de... dans cette émission. Il avait beaucoup d'obligations aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a handicap sport et pas mal de choses. Et il a tenu à être présent ce soir et c'est vraiment très sympathique de sa part. Jean-Michel, à toi la parole. Donc, mais très brièvement, très heureux de vous avoir accueilli pendant toutes ces journées sur les... le parcours du Golf Club du Bocage-Bressuret. Bon, vous avez constaté que le parcours s'améliorait petit à petit, les greens en particulier. C'est vrai qu'on espère la pluie pour que les fairways se densifient un petit peu. Mais comme le disait Monsieur Bureau, qui est toujours impatient que le golf soit parfait, il nous disait il y a 2 ou 3 ans, il faut au moins 2 ans, voire 3 ans pour qu'un golf retrouve son rythme de croissance et d'utilisation. Donc soyons patients. Monsieur Bureau, hein, avec une exploitation du terrain optimisée, et puis je pense avec un mélange de technicité et de physique qui fait de ce golf quelque chose qui est à la fois abordable, mais un petit peu difficile pour certains quand on le découvre, mais on y arrive quand même avec un petit peu d'intelligence et de maîtrise de ses coups. Alors simplement, merci au club et puis surtout un grand, grand merci aux organisateurs. Le club avait déjà organisé quelques manifestations. Celle-ci ne mérite qu'une seule chose, c'est d'être renouvelée. Il est le plus rapidement possible. Malheureusement, on s'est mis d'accord, moi ils se sont mis d'accord, ça s'est fait pas Cholet régulièrement, donc ça sera un coup Cholet, un coup Bressuire pour tout le monde. Tous les mois. Et comme on a un promoteur de golf qui s'est trompé régulièrement, il paraît qu'après on a d'autres concessionnaires de voitures qui viennent. Donc... Je rappelle quand même que tous les deuxièmes vendredis du mois, il y a une compétition de classement sur ce parcours, qu'il y a des manifestations qui sont organisées par le club et d'autres qui sont organisées par les régies, en fait par la ville. Et là, le prochain rendez-vous, est-ce qu'il a été fixé, le Grand Prix de la ville de Bressuire? Le mois de juillet? Non, c'est le mois de septembre. Non, c'est le mois de septembre. Non, ça, c'est le vendredi. On parle du juillet, j'ai pas encore été chercher les prix. Alors, vendredi du Bocage. Non, mais le prix de la ville de Bressuire. Le prix de la ville de Bressuire. Non, c'est au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc vous aurez temps. Donc on vous invite très chaleureusement à revenir nous voir et à faire découvrir notre parcours qui, je crois, grâce à M. Bureau, est tout à fait remarquable. Bravo. Merci. Bravo.